Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Unite. Voilà, comme j'ai indiqué dans la précédente vidéo, je vais essayer de faire une petite vidéo par jour. Du coup, ça va mixer les thèmes Pokémon. Donc, si j'arrive à retrouver des cartes, bien sûr, là je me suis gardé quelques boosters, donc je pense que je vais craquer dans la semaine à faire une petite ouverture et voir au fonction du coup aussi du concours des 200 abonnés qui est toujours pas passé. Je pense que du coup je vais finir par annuler ce concours et du coup faire peut-être profit des boosters que j'avais prévus et j'offrirai éventuellement les cartes sur un tirage au sort, je sais pas, je réfléchis encore. En tout cas, voilà, aujourd'hui petite bataille avec du Florizarre, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je change un petit peu, j'ai fait du coup le ectoplasma, donc place à notre grosse plante verte qui pour l'instant me sert plutôt pas mal. J'arrive à gagner presque toutes les batailles avec lui pour l'instant, que de mon ressort, mais ça joue un peu quand même, hein. Allez, j'espère que ça vous plaira. On attaque. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous voulez suivre un petit peu toutes les vidéos et toutes ces choses là, un petit coup sur la cloche, vous avez l'habitude, hein, maintenant. Voilà, si vous voulez un petit peu communiquer avec moi ou tout simplement partager votre avis, un commentaire, ça fait grave plaisir. Le petit pouce bleu, ça fait toujours aussi plaisir. Et on attaque. Allez, petite recherche. Donc là, par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites sur Unite, là, je vais me concentrer quand même un peu sur une sorte de tutoriel. Je vais pas appeler ça un tutoriel à part entière, dans le sens où je peux pas encore me donner, m'attribuer un niveau dans ce jeu. J'ai pas un bon framerate, je sais pas si c'est pas le bon terme du tout, non, j'ai pas un bon ratio, pardon. Là, je regagne récemment un petit peu avec, ou grâce à notre petite boule de gazon, Florizarre, mais c'est un petit peu la galère, je vais être honnête, donc il faut que je m'améliore, il faut que je continue à practice, comme on dit, et comprendre un petit peu les stratégies, quoi. Alors, j'en profite, tiens, pendant qu'on est sur celui-là, il me reste 23 secondes. Donc bon, toujours la potion, j'ai un petit peu évolué mes health items, mais je suis toujours sur les mêmes objets, j'ai l'objectif de tout monter à 20 avant de changer. Et ça va être très court en 7 secondes, mais je vais partir sur un Giga Drain, donc qui va tout simplement absorber l'énergie et les PV des autres, et un Solar Beam en stratégie d'attaque. Voilà, donc Florizarre est vraiment plus fait pour l'attaque, l'attaque à longue distance, donc on a un périphérique autour de lui qui est quand même vachement grand, un diamètre qui est assez grand autour de lui par rapport aux autres Pokémon que j'ai pu essayer. Donc voilà. Allez, ça va pas tarder. Alors en face, tiens, j'ai même pas regardé. Donc il y a un Ronflex, ça pue. Faut avouer qu'il est quand même assez violent. Le blanc coton, je crois que ça va. Du coup, Ectoplasma, c'est un petit peu la galère. Absol avec mon Florizarre, je crois que je lui fais très 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 mal. Et Dracaufeu, je sais pas trop quoi en penser là dans Unite. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Ah, alors c'est bien, ça vient de me dire qu'Omega Galaxy est en ligne et qu'il regarde YouTube. Mais je voulais pas le savoir. Allez, on va aller avec Grenousse. Tac, ça va être les notifications de la Switch que je ne connais pas. Du coup, c'est la première fois que j'ai une notification sur cette console. Et oui, on apprend toujours. Donc là, voilà, avec Florizarre, comme toujours, hein. Merde, on aggro le plus possible de chimpanzés. Un petit site bombe, ça redonne de la vie, ça fait du bien. On démonte tout le monde. Donc là, c'est toujours la même chose, hein, je dirais, avec tous les Pokémon. Objectif number one, level up. Niveau 3, on va passer, je crois c'est niveau 5 pour passer en Herbizarre. Voilà, et une fois que je serai en Herbizarre, on va pouvoir commencer à aller un petit peu rigoler. Là je suis tout seul. Ah putain, un Fantominus et un Ronflex. Putain, je le démonte le Ronflex. Oh, j'aurais pas dit. Putain, il va pas se recharger. Si, c'est rechargé. Attends, pourquoi pas poser maintenant, ils sont cassés. Et bim, ça fait les chocs à pic. C'est plutôt pas mal, plutôt pas mal là avec Amphinobi. Ouais, c'est ça, c'était Grenousse, donc ça va être un Amphinobi. Je pense que Flori et Amphinobi peuvent être vraiment violents. Alors on a des Giga Drain. Faut oublier de le prendre. On est défonce un petit peu son Ronflex. Putain, on est pas mal là en team, je trouve, avec Amphinobi.
Ah là là, il continue à aggro, moi je vais poser mes 7, il va poser ses 4. Ah, c'est plutôt pas mal là, pour l'instant ils sont tous en bas en fait, donc là on va continuer, tranquillou. Ah bah voilà, niveau 6 pardon, donc c'est pas niveau 5, on passe donc Air Bizarre en niveau 6. Ils sont tous en bas. Un level on dirait. Ah, le petit logo du personnage, si je me souviens bien, c'est ça en fait. Dès qu'on voit sa tronche dans le jeu, c'est que on vient de level up. Ah, on va aller voir là-haut. Tiens, bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah putain, nickel. Il manque plus que 13, j'en ai 13. Bon, allez, on close. Allez, Solar Beam. Enfoiré, il est passé derrière moi. Allez, c'est voilà, c'est bien ce qui me semblait. Là, j'ai pas trop peur. Celui-là, je le défonce. Petit coup de potion et on pose. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, je m'éclate plutôt pas mal hein. Vraiment ce jeu il est détente et un tout petit peu de stratégie, ouais, en enchaînant les choses dans le bon sens. J'ai vraiment pas trop de pièges avec avec Florizarre. Je suis pas fan de ce Pokémon hein, pour être honnête. Enfin, c'est pas pas fan, c'est un bien gros mot. Je vais pas dire que j'ai un problème avec lui hein, mais concrètement c'est pas mon Pokémon préféré. Par contre c'est vrai que bah, en jouant avec dans Unite c'est assez confortable. Pour commencer, si voilà, quand vous êtes un peu frustré, vous faites que de perdre. Mets-moi ta langue, bah tiens, t'as raison, vas-y. Il est plutôt pas mal. Merci pour les petites bouboules. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, Florizarre Spectrum, je croyais que j'allais me faire botter les fesses, mais non, en fait, c'est lui qui se fait botter le cul à chaque fois. Voilà, je décrisse. Merde. Bon, le petit bison, hein, vous voyez que des fois, c'est tout con, hein, il suffit de sortir de sa trajectoire. Ah, cool, Amphinobix, il arrive avec un petit renfort. Allez, viens, viens, Makai. Hop, on va aller défoncer des points. Qu'est-ce qu'il y a encore à défoncer? Comme ça. Allez. Tac. Ah mince, c'était 2 secondes, je croyais que c'était 20 secondes, bah je les ai mis trop tard. Mais non, il reste plus qu'un point. La blague. Bon, en tout cas, c'est posé. Allez, renflex. Vas-y, bouffe mon pote. Ah, il m'a endormi l'enfoiré, tiens, mange-moi mes graines. C'est du quinoa. Tiens, les cadeaux. On se prend ça sur la route. Eh ben dis donc, je suis en train de m'éclater comme un petit mignon. Je suis en train de les démonter tout seul. Bah oui, barre-toi. Bah toi, non, 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 vas-y, me crame pas la gueule. Bah, je vais te dire, je suis tout seul depuis tout à l'heure. Je suis en train de me gonfler le blé bronze. Je gonfle les balls. Pardon. J'augmente le nombre de balls. Mais oui, viens là avec ton petit Absol. Allez, bon, ils vont me buter là, ça y est, je peux rien faire. Là, c'est fini, j'ai joué au con jusqu'au... Oh non! Ah, j'ai perdu 21 balls, ils m'en ont laissé une, c'est cool. Je suis monocouille. Bon, de toute façon, maintenant, voilà. Le nord est un peu dégagé. Bon, là, je sais pas ce qu'il fout là-haut, le Dracaufeu tout seul. Stratégie complètement perdue. Là, moi, je vais attendre mes 2 petites secondes et on va décaler sur le... Non, 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 j'allais dire le sud, mais on va aller défendre surtout, ouais. Qu'est-ce qu'ils me font, hein? Qu'est-ce qu'ils me font? Allez, une patate, une patate. C'est pas trop une patate, c'est plutôt un fleur bizarre. Ma potion! Le... Bouffe-moi ça! Tiens, il se l'est pris, mon petit Solar Beam. Allez, bien joué, Amphinobix. C'est parti, mon kiki. On va défoncer les petits bonhommes sur la route, bien sûr. Il faut récupérer les bronzes.
Putain! L'Absol, quand il se téléporte, du coup, je sais plus où viser. Mais on enchaîne, on enchaîne. On va lâcher les petites balls. Oula, oula. C'est lag. Allez, Absol, bah oui, tiens. Il est trop partout, tiens. Ça sert à rien. Ah, m'en fous, je l'ai eu quand même. Bah, Blancoton. J'ai eu Blancoton, c'est quoi le délire? Mais c'est pas du tout le Pokémon que je visais. La blague. Bon, là du coup, une seconde. On va aller se préparer pour Zapdos. Enfin, un lector, quoi. C'est drôle de dire Zapdos. C'est pas le même jeu, quoi. Attaque défense. Alors ça, je crois que le bison, je suppose que c'est l'attaque. C'est quoi le point d'exclamation? Ah, il a dit attaque Zapdos. Très très bonne idée. Un Pikachu qui vole sur la map. Ah, la petite graine qui sert à rien du coup parce qu'il est déjà mort. Voilà, ils sont mais cuits, mais cuits. Cuits, cuits. Ah! Qu'a une batterie faible! Ils sont dans un... Oh! Les pauvres! Mais là, ils se sont fait, mais mange! Bah voilà, ils ont abandonné. Direct. Bon, bah voilà! Une petite victoire bien méritée avec un petit Florizarre. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai laissé le chargement se finir quand même jusqu'au bout avant de clôturer tout ça. Mais moi, c'est une partie qui m'a vraiment fait plaisir. Ça fait kiffer de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous montre un petit peu des astuces. Voilà, j'essaye de commenter. Ah, vous avez quitté le logiciel car une erreur est survenue. Mais non! Mais non! Quelle tristesse! Bon, enfin, j'ai quand même fini la partie. J'espère que ça va avoir été sauvegardé du coup. On va regarder ça ensemble pour la dernière petite seconde de la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Espérant que ça ait quand même sauvegardé, comment je peux vérifier? Je viens de faire une bataille. À la limite, j'ai gagné quelque chose, peut-être parce que j'ai participé à une game, je sais pas. Alors, il est pas 7h UTC, non? Et c'est pas aujourd'hui, donc c'est bien. Ok, close. Ah ouais, le jeu a vraiment planté, quoi. Bah, après une belle partie comme ça, quelle tristesse. Bon alors, qu'est-ce que ça dit? On n'aura pas vu les... Enfin, j'ai vu très rapidement les statistiques, mais j'ai pas... Bon, ok, ça on s'en moque, là, c'est tous les trucs de style. Ah, bon, ça a l'air d'être bon, du coup. Vous voyez, j'ai petit point rouge, donc c'est-à-dire que j'ai mes cadeaux, voilà, Delimation, donc c'est cool. On a bien gagné la partie. Pff, sauvé, non, j'ai eu peur quand même. Si belle petite partie, les amis. Allez, on va faire le clôturing là-dessus. Le petit Florizarre, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Voilà, je vais continuer, je pense, à jouer un petit peu avec lui, mais pour la prochaine vidéo, on va essayer de changer de petit monstre. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Comme toujours, la petite cloche, le petit commentaire. Un abonnement si ça vous fait kiffer. Allez, bisous bisous!